Amaro Maskloba. Yeah. Girl, you looking better than the photos. Need more of your time, so I'm watching you in slow-mo. Yeah. Busy schedule, but it doesn't really matter when it comes to you. Yeah. I can't wait till we're together, I could never get enough of you. Yeah. She said, what you want from me? Baby, what you want from me? Yeah, yeah. Nothing but your company. Sitting on the top with me. Yeah, yeah. Oh. Girl, I can give you the time of your life right now, right now. Give you the moment you never could have right now, right now. Let me in, let me in, let me in your world. Yeah, let me in, let me in, let me in your life. Yeah. Yeah. She got that vibe. Bonjour tout le monde, je suis avec un autre youtubeur ou youtubeuse congolais qui s'appelle Ketia. Mm-hmm. Et le nom de sa chaîne c'est This is Ketia. Et elle est basée à Nairobi au Kenya. Mm-hmm. On s'est rencontrés, elle est abonnée à ma chaîne. Elle-même elle vous dira comment on a fait connaissance. Elle est ici à Kinshasa pour un mois. Mm-hmm. Donc on a décidé de faire une collaboration parce que moi aussi je dois me rendre à Nairobi. I have to visit Nairobi, Kenya, Tanzania also, and yeah. Uganda. And she's based in Kenya. Alors, and Zanzibar. Alors, parle-nous un peu de toi. Oh, la nourriture est là. Merci. Merci beaucoup. You bring the food. Merci. Okay. Alors, vas-y, parle-nous un peu de toi. Salut, bonjour la team Tsumbu, c'est ça? C'est la team Tsumbu? Oui, oui, mes abonnés, ma communauté. Bonjour à la communauté de Monsieur Tsumbu. Je suis Ketia, je vis à Nairobi, j'ai une chaîne YouTube en français et en anglais, mais en anglais, il n'y a pas... Tu en as deux? Ouais, j'en ai deux. Mais moi, je connais que celle en français. Non, parce que l'anglais, j'ai stoppé. Ah, ok, d'accord. J'ai pas aussi beaucoup d'abonnés. Ok, hein. D'accord, je vois. Yeah. Okay. Voilà, je fais YouTube aussi, je monte les alentours de Nairobi. D'accord. Ouais. Je suis filmé en Mombasa aussi, voilà. Oui, j'ai vu une vidéo où tu as pris le train. Ah oui, oui, oui. De Nairobi jusqu'à Mombasa. Mmh. D'après, ouais. Ouais. Ok, c'est ça. Donc, c'est ça. Je vends aussi des appartements. Si une personne aimerait bien acheter des appartements à Nairobi, je suis là. Voilà. Voilà. Alors, you're gonna have support her channel. Abonnez-vous les Congolais à sa chaîne. Hein. Elle fait à peu près la même chose que moi, ici à Kinshasa. Mmh. Mais elle le fait à Nairobi. Mmh. Voilà. Alors, raconte un peu comment tu es tombé sur ma chaîne. Donc, en fait, mon frère cadet est avec moi à Nairobi. Oui. Donc, tu vois, à la maison, l'ambiance et tout, on est en train de se discuter un peu sur un sujet concernant le Congo. On comparait en fait les Congo et les Kenyans. Oui. Donc, moi, j'étais toujours du genre que le Kenya, c'est mieux que le Congo et tout. Oui. Et lui, il était toujours du genre, mais non, c'est ton pays et chez nous, c'est mieux. Oui. C'est un peu du genre. Oui. Et un bon jour, on était là devant l'écran, on voit un titre. Je crois que c'était à Pigeon, je crois. Ah, Bins à Pigeon, oui. Bins à Pigeon. Oui, oui. Entre Pigeon ou... Tu avais écrit Beverly Hills. Beverly Hills, c'était Montfleury. Yeah, Montfleury. Voilà. OK. Et on regarde. Maintenant, il me dit, mais regarde, tu vois, regarde. Moi, je dis, tu penses que ça sera bien. Je pense pas qu'il va rien montrer de bon et tout. Oui, oui, oui. Et puis, on s'est dit, bon, d'accord. Il dit, bon, d'accord, on entre, là, on verra. Oui. Et on entre dans ta chaîne, tu ne vas pas me croire. Oui. On a suivi la première vidéo. Oui. Celle qui suit. On a commencé à suivre toutes les chaînes. Oui. Et tu t'imagines, mon frère, il n'aime pas regarder la télé. Oui. Il est dans son coin et tout. Mais quand c'est Tsumbu Umba, il vient se mettre au salon. Ah, d'accord, ça fait plaisir. Non, sérieux, sérieux. Et on a commencé à suivre. Et puis il me dit, bah, tu vois comment est notre pays. Mais sincèrement, j'avais complètement oublié comment c'était Kinshasa, pour dire la vérité. Ouais. Donc j'étais vers ma 11e année à Nairobi. Donc je n'avais presque plus l'idée et tout. Kinshasa, c'est bien, c'est très bien. Il suffit juste, il y a juste des problèmes d'insalubrité. Mmh. C'est des problèmes qu'on peut régler. Ouais. Si la ville est nettoyée, comme il faut, les services d'hygiène publique font leur travail, c'est tout. Ouais. Ouais. Donc, en fait, c'est ça comment on t'a découvert. C'était en mars 2000,
2023. Ok, d'accord. Et depuis mars 2023 jusqu'à aujourd'hui. Ah, voilà, d'accord. On est des abonnés fidèles. Hein. Oui, abonnés, merci. Ensuite, tu m'as contacté sur Instagram. Oui, oui, oui. Oui. Et sur, depuis, on a gardé un bon contact. Oui. En fait, je t'ai demandé, en fait, c'est quelle caméra que tu, voilà, que là, tu oui. utilises. Parce que j'avais l'impression que les gens... C'est ça, au Congo, les gens n'aiment pas qu'on les filme. Hein. C'est, oui, oui. C'est oui quoi. Moi, en fait, je demande toujours. J'ai consulté les lois. Donc, je suis sur la voie publique. Ah, ok. Je peux filmer. C'est interdit de filmer l'aéroport, mm-hmm. la douane, les bâtiments des services des militaires, les camps militaires, tous les sites stratégiques, c'est interdit. Ah. Mais ce n'est pas interdit de filmer tout ce qui est, par exemple, ministère du tourisme. Apparemment, même les supermarchés, tu peux pas à l'intérieur. Si tu peux, tu ah, peux, okay. tu peux. Ça dépend, ça dépend. Mais les gens n'ont pas le sens du marketing dans le sens que c'est souvent les étrangers, les Libanais, les Indiens, eux, ils t'invitent à venir filmer parce qu'ils comprennent que tu leur fais la marketing. Ouais, le marketing, oui. Et j'ai remarqué que beaucoup de Congolais ont peur. Ah, d'accord. Alors que moi, je leur dis toujours, mais j'ai une chaîne YouTube, attends, j'ai plus de 100 000 vues tous les mois. Mm-hmm. C'est 100 000 personnes qui regardent. Mm-hmm. Si la vidéo fait 20 000 vues, c'est 20 000 personnes qui ont vu. Hein. Mm-hmm. Il suffit que 1%. Oui, oui. Mm-hmm. Donc voilà, c'est ça en fait. Ah, voilà, d'accord. C'est ça. Donc okay. la caméra que j'utilise, c'est DJI Pocket 2. Maintenant, j'ai la 3. C'est celle qu'on utilise ouais, maintenant. Ouais, l'image, voilà. elle est excellente. Hein. Oui, oui. Impeccable. Ah, ok. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc. Mm. Les jeunes m'ont mandaté. Ah. Ils ont remarqué qu'il y a des belles filles sur ta chaîne. Ah, les jeunes là-bas à Nairobi. Il y a des belles filles sur ta chaîne. Des belles filles. Si c'était possible d'ouvrir une agence pour eux. Une agence de quoi de... Pour trouver mariage et tout, parce qu'il y a des belles une filles. Une agence de... matrimoniale. Il y a des belles filles dans la chaîne de Tsumbumba. Oui. N'est-ce pas, la famille? Dites-moi. Team Tsumbu, dites-moi en commentaire. Il y a tellement de belles filles qui défilent, en fait. Les jeunes... Et mon frère est du genre que, ah, mais où il arrive à trouver toutes ces filles, hein? Où il arrive à trouver toutes ces filles? Mais l'explication est très simple. Non, 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 tu n'es pas obligé de dire, mais juste dis-nous si tu peux faire une agence, quelque chose. Hein? J'ai une amie, d'ailleurs, ma voisine. Mm-hmm. Elle est voisine. Elle veut ouvrir une agence. Elle veut faire un thème donc de relooking, aider les jeunes filles à comment s'organiser, se mettre en valeur. Ah, ok. Ça? Mais je, non, en fait, les filles, je le dis dans ma chaîne. La plupart des filles qui ont travaillé, collaboré avec moi dans mes vidéos, elles sont toutes mannequins. Ah, sauf oui. une seule, je crois. Elle, je l'ai connue par une amie qui me l'a présentée. Mm-hmm. J'ai DRC Fashion Week. La cofondatrice de DRC Fashion Week, elle est mannequin. Elle a une agence de mannequins. Mm. Alors, je lui dis, écoute, moi, j'ai envie de travailler avec... tu as des hôtesses qui vont m'aider à présenter un hôtel ou un restaurant. Mmh. Alors, elle m'envoie des photos. Celle-là, j'ai dit, ok, d'accord. Elle me donne leur numéro. Elle les prévient, d'accord. C'est elle qui m'aide à trouver les pépites. Ah, ok. Benignota. Ah, ok. Mais c'est une touche hein, que tu as ajoutée dans... Oui, oui. Avant, tu étais tout seul. Toujours tout seul. Les abonnés ont dit, mais attends, j'étais à Kingankati. Tu avais l'air misérable. Ouais, t'étais tout seul. Tu rigoles pas et tout. Tu parles. Non, voilà, je me suis dit, bon, on va rajouter. Vraiment, c'est vraiment une touche que tu as ajouté et tout. D'accord, c'est bien. Ah, ok. Bon, c'est ça l'idée. Mm-hmm. Agence matrimoniale, donc je ne sais pas. C'est la kin, je crois. Elle est comment la communauté congolaise là-bas à Nairobi? Il y a des Congolais, beaucoup, hein. Il y a beaucoup de Congolais. Nairobi, Makoyana, Kenya. Oh, béni. Ah, je viendrai. Normalement, c'était l'année passée que tu devais être là. Je devais être là en décembre, mais bon, je viendrai sans faute. Yeah. Je vais commencer à faire une expansion. Mm-hmm. Il faut que les abonnés continuent à liker. Okay. Et à partager, ça aide avec l'algorithme, hein. Mm-hmm. Comme ça... Ah oui, parce que ta vidéo est tombée chez moi là-bas, comme ça. Hein. Oui, oui. Et... Plus vous likez, plus vous partagez, plus il y a des vues, plus il y a des vues, ça fait plus d'argent. Yeah. Et je réinvestis cet argent-là dans les projets. Mm-hmm. Je vous emmène dans les beaux coins, pas seulement de Kinshasa, peut-être le Kenya, yeah. et la diaspora kenyane. Et tu dois arriver aussi à Mombasa. Oui, Mombasa, bien sûr. Yeah. Bien sûr, parce que l'océan Indien qui est là, oui, oui. Yeah. pour visiter. Je vais faire Zanzibar aussi. Ah, ok. Oui, Zanzibar aussi, c'est beau. Hein. Mm-hmm. C'est beau. C'est pas mal. Bon, c'est ça. Montrez à M. Tsumbu de l'amour avec vos likes, la famille. Tim Tsumbu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, donc c'est ça. Et pour, comment tu as commencé YouTube? J'ai ma chaîne YouTube mm-hmm. depuis 2008. Okay. Janvier 2008. Ah. À la base, j'ai créé cette chaîne. C'était juste pour regarder mes vidéos. Mm. Parce qu'avant,
quand on était petit, les vidéos tu filmais, tu mettais ça sur les cassettes VHS. Ah. Et après, ça se perd. Donc, tout ce que j'ai filmé dans mon enfance, j'ai tout perdu. Oh, sorry. Alors, je voulais une plateforme pour sauvegarder les vidéos. Mm. Alors, YouTube, tu télécharges, tu mets ça, tu as l'option de mettre en privé ou public. Mm. Mais je ne savais pas comme YouTube était monétisé que vous pouvez gagner de l'argent sur YouTube. Ça, je ne savais pas. J'ai découvert ça en 2021. Ah. J'ai regardé le Nigerian, le Nigérien Tao Aina. Il faisait la comparaison entre un appartement à Johannesburg et un appartement à Lagos. Tu vois le prix, mais comment il fait pour payer tous ces voyages-là? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que moi, je croyais que les gens qui gagnent de l'argent sur YouTube, tu dois être connu. Par exemple, Will Smith, il est déjà connu et il a une chaîne YouTube et gens, on le paye parce que c'est Will Smith. Non, tu peux devenir monétisé. Alors, j'ai fait des recherches. Si tu regardes mes vieilles vidéos, la plupart de mes vidéos, ce sont des vidéos que j'ai faites en Ukraine il y a 10 ans. Hein. Ah. Et oui, en Ukraine, c'était pas monétisé, c'était juste pour m'amuser, je garde ça les souvenirs. Mm-hmm. J'ai toutes ces vidéos. Alors quand j'ai découvert que c'était monétisé, moi j'adore les gadgets, je me suis dit, mais si je gagne de l'argent, je vais m'acheter des caméras. Après j'ai eu une idée, comme j'ai fait 20 ans aux États-Unis, je me suis dit, j'ai beaucoup d'amis américains qui ne connaissent pas le Congo Kinshasa. Mm-hmm. Je vais leur montrer mon pays d'origine, le genre d'activité que j'avais avant que j'aille aux États-Unis à Kinshasa. Alors j'ai commencé, je leur ai envoyé le lien de ma chaîne, abonnez-vous. Et c'est que on aime beaucoup, continue à nous montrer. Mm. Et ensuite, il y a une communauté congolaise qui a commencé à arriver. Mm. À la base, c'est pour montrer aux Américains. À quoi ressemble le pays? Oui, le pays Kinshasa, c'est pas une jungle. Hein. On a des problèmes comme toutes les villes. Mais c'est beau, il y a des endroits chics, il y a des endroits moins bien. Mm. Et puis, comme j'ai remarqué que les gens voulaient plus voir les endroits chics, bien, je me suis spécialisé dans ça. Tu vois, j'ai arrêté de montrer les quartiers, tout cela, je me suis dit, bon. Les gens préfèrent les endroits touristiques ou comme s'ils viennent de Londres. Mm-hmm. Tu viens manger à tel restaurant, tu viens dormir à tel hôtel, tu viens à tel endroit, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, tu sais que j'ai remarqué, même quand tu es sur Google, tu cherches un hôtel ou un appartement, tu apparais. Oui, hein? oui. Tu apparais. C'est ça. Ah, c'est bien ça. C'est l'idée. Ah, ok. Ah, d'accord. Wow. Et tu comptes arrêter un jour ou bien... Non, je vais voir juste où ça va m'emmener. C'est... Mais tu aimes bien. Oui, j'adore. YouTube, ça ne paye pas beaucoup. Yeah. Donc, faut avoir la passion. Aimer ce que vous faites, ça paye. S'il y a des hauts, des bas, il y a des mois où ça monte comme ça. Et des mois où ça descend, tu dis, hé, l'algorithme ne m'aime pas. Il faut avoir la passion. Yeah, c'est ça. Donc, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ah, oh, ok. Ah, ok. Mais vraiment, c'est grâce à toi que j'ai encore aimé mon pays, hein, pour te dire la vérité. Non, je fais la promotion de mon pays. Je dirais à Lubumbashi, à Goma, à Kolwezi, toutes ces villes-là. Montrer la beauté de la RDC. Ouais, j'étais à Lubumbashi aussi, j'ai aimé. Hein? Bon, ça c'était avant que je ne fasse YouTube. Ah. Yeah. Donc, toi, tu étais... Ça fait 11 ans que... Non, je vais vers la 11e année. Ah, d'accord. Ah. Et pourquoi tu as décidé Nairobi? Tu avais la famille là-bas? Non. Dans l'aventure. Ah, ok. Ouais, donc voilà. Donc c'est ça. Mais ne tenez pas rigueur, mais quand je compare, Nairobi c'est mieux que Kinshasa. Quand je compare. Rien, tu es l'équipe. Rien. Kim non, mais sérieux. 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 En fait, moi, non, c'est vraiment développé. Comparé, si je fais la comparaison. Ouais. Parce que là. Non, non, bien. Bon, c'est mon pays. J'aime mon pays. Ok? Non, bien. Bendele Koyate. Malgré les gens. Je viens de le dire. J'ai jamais été à Nairobi. Hein? J'ai jamais été à Nairobi. Mm-hmm. Et je suis sûr que Kin et les gars ont ambiance. Là-bas, chérie. Bah oui, non, mais c'est vrai, hein. Il y a des beaux gosses et des belles femmes ici chez nous. Mais non, mes côtés sont plus développés que nous. Dans beaucoup de choses. Beaucoup. Mais on croise les doigts que ça pourra marcher un jour aussi ici. On croise les doigts. On verra bien. Ouais, c'est ça. Ok. Le grand youtubeur de Kinshasa. Ah, petit youtubeur. Je n'ai que 14. Et je viens d'avoir 14 000 abonnés. Hein. Ah, ok. Ouais. Mais tu sais, je me suis dit, tu peux avoir pas beaucoup d'abonnés, mais ton contenu est lourd en fait. Ça aide. Hein? Ça aide beaucoup. Mais justement, l'idée de YouTube, c'est le deuxième plus grand module de recherche. Mmh.
après Google. Mm-hmm. Google est propriétaire de YouTube. Numéro 1, c'est la compagnie mère. Numéro 2, c'est le sous-produit mm-hmm. de YouTube. Il faut faire du contenu, les gens cherchent. Comme tu dis, mm-hmm. si tu tapes restaurant à Kinshasa, mes vidéos vont sortir. Si tu tapes hôtel Kinshasa, mes vidéos vont sortir. Mm-hmm. C'est ça le contenu que tu dois faire. Comme ça, quand tu cherches, devenir une référence. Ça s'appelle en anglais « evergreen content mm-hmm. ». Tu vois, un contenu que les gens auront toujours besoin. Mm-hmm. C'est ça l'idée, voilà. Mm. Ouais. Wow. Tsumbo m'a contaminé. Un coca. Avec son coca, là. C'est une Tsumbo. À un moment, j'avais arrêté de prendre le coca, je reprends. Elle est où, Sarah? J'aimerais bien la voir parce qu'elle ne connaît pas. Toi, quand tu suis la télé, YouTube, tu suis une personne, tu as l'impression de connaître la personne, ça fait des années. Pourtant, vous ne vous connaissez pas. Ouais. Mon frère est fan de Sarah. Tout le monde, beaucoup de gens. Hein? Beaucoup de gens. Il est fan de Sarah. Et on avait remarqué ce qu'elle n'était plus. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle n'est plus là? Pourquoi? Bon, les autres filles qui étaient là, elles étaient belles, bien et tout. Mais on était plus habitués avec Sarah. Donc c'est un peu ça. Et avec Sarah, je suis beaucoup plus habitué. On est familier, hein? Ah, ok. Parce qu'on est... je la verrai avant de repartir. On va faire une vidéo. Kinsuka, on ira, je vais réserver, on ira là-bas au bord du fleuve, hein, on fera une vidéo, tu la verras. Ah ok, d'accord. Ouais. Il est fan de Sarah. Quand même, il s'est abonné, elle a un Instagram, je crois. Oui, oui, elle a un Instagram. Moi, je me suis dit, mm-hmm. si Hollandienne a Instagram, il a quel âge, ton frère? Hein? Il a quel âge, ton frère? Mon frère, il a 24 ans maintenant. Même âge que Sarah? Ah, ok. Ouais. Yeah. Il y a un commentaire, ah. Je me suis dit, mais comment tu n'as pas répondu? Okay. Un commentaire sous ta vidéo, il mm. Y a une personne qui a écrit « Hey Tsumbo, Ozaramwana Poto, l'attaquade bien ». Tu n'as pas vu les commentaires? Oui, j'ai vu ce commentaire, mais tu veux que je réponde ça quoi? Il y a quelqu'un qui a répondu à ma place. Alors t'as rané boué, la cola boué, c'est mon look. Tu en penses quoi sur ça? C'est un commentaire. Les gens ont répondu à ma place. Moi, c'est mon style. Comme on dit, je vais mourir comme ça. Là, ça va bien. On sent moi la photo. Moi, ma campagne. J'ai vu ce commentaire. Là. J'ai vu ce commentaire. J'ai pas répondu. Il y a d'autres personnes qui ont répondu. Bon, il y a un problème qu'on a, nous, les Congolais. Ouais. Par contre, c'est quand tu es bien habillé, ça prouve que tu as l'argent. Or, des vraies personnes qui ont des moyens et tout, ils sont toujours simples. Oui. C'est vraiment le contraire et tout. Mais il y a quelqu'un qui a bien répondu. Oui, oui, papa, mais lui n'est pas là pour nous montrer comment s'habiller, il est là pour vous montrer les endroits de Kinshasa. Moi, je me sens à l'aise dans la petite t-shirt Nangai. Ouais, relax. Relax. Parfois, de temps en temps, une chemise si on est. Mais. Et puis, tout est l'une sous mon bordure. Oui. C'était. Oh, bah, comment t'as dit entre Bango? C'était chaud. T'as eu les réponses. Je réponds pas à ce commentaire. Ouais. Comme on dit, l'une des règles de YouTube, faut ignorer les haters. Il y aura toujours les haters. Toujours. Ça vient avec le contenu, ça vient avec je m'expose. Mm-hmm. Donc tout le monde ne va pas dire oh, il est beau, il est grand. Yeah, c'est ça. J'accepte les critiques positives. Bon, la beauté est relative de toute façon. Oui. Fin, il y en a bien, non. Non, mais on ne t'insulte pas, mais c'est seulement juste le seul commentaire que je. Oui, oui, oui. Non, mais il y en a parfois. Quand les commentaires sont trop, parfois j'efface. Quand ça devient vulgaire, hein, j'efface. Hein. Ah, ok. Ouais. J'ai pas fini la vidéo, non. Quand c'est trop vulgaire. Ouais. Non, pas ça, vous pouvez enlever. Non, on n'a pas.